Yo les amis, c'est Vakar, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elden Ring. Je voulais prendre une toute petite seconde pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux les amis. Nous sommes bientôt 700 abonnés sur la chaîne, donc merci beaucoup. Si vous voulez me soutenir, vous avez juste une petite chose à faire, c'est mettre un petit like sur cette vidéo et d'autres vidéos peut-être de let's play que vous avez vu. Voilà, si ça vous plaît, vous pouvez me le dire en mettant un like sur la vidéo et ça aidera vraiment la chaîne. Je suis très content parce que ce let's play d'Elden Ring marche bien, mieux que d'autres let's play que j'aurais pu croire qu'ils allaient mieux marcher que celui-là, mais celui-là marche très bien et ça vous plaît, donc merci beaucoup. Je vais essayer d'aller vraiment jusqu'à la fin du jeu, en tout cas je donne mon max, même si comme je vous disais dans l'épisode précédent, c'est mon premier jeu From Software, donc c'est bouleversant, mais dans le bon côté. Donc je vais faire vraiment de mon mieux pour m'améliorer, et j'ai l'impression en tout cas de m'améliorer de jour en jour dans ce jeu. N'hésitez pas à me donner vos conseils dans les commentaires, je les lis vraiment tous et je réponds vraiment à tout le monde. Donc voilà les amis. On va continuer l'aventure, merci encore d'être présent. C'est parti. Ok les gars, c'est reparti. On va continuer dans ce chemin là, comme je vous expliquais dans l'épisode précédent. Si vous l'avez pas vu, je vous montre. Il y a un chemin qui est indiqué par ce petit faisceau lumineux et qui indique par là. Donc je sais pas pourquoi, parce que effectivement le chemin principal a l'air d'être ici vers Margit le déchu, le boss de toute cette première zone, mais... ce point là t'envoie par là, donc j'ai envie d'aller voir ce qui se passe de ce côté là. On va y aller, on va prendre le cheval, on va aller voir pourquoi. D'ailleurs on a vaincu un boss qui était pas facile hein, d'ailleurs, qui se situe juste ici. Quand vous rentrez dans la geôle éternelle, bah là tu peux plus y aller maintenant, mais le boss était pas facile. Si vous voulez voir le combat, c'est dans l'épisode juste d'avant, celui-ci. Alors, faut que je me remette un peu sur le chemin. Ah, je pense qu'on peut descendre ici comme ça. Toc. On va aller voir. Apparemment, du coup... Ouais, il y a une autre zone ici. Hein, en face. On va essayer de suivre le chemin. Sans mourir. J'ai toujours peur de tomber et de mourir parce qu'une fois ça m'est arrivé, bah d'ailleurs je sais plus c'est dans quel let's play du jeu, je tombe de je sais pas quelques mètres comme ça et je meurs en fait. Là il y a un soldat, on va se le faire non? C'est l'occasion. Voilà. Hop. J'ai envie de sauter là-dessus, juste pour le délire. Ah ok, là il y a plein... Ouh, oui, d'accord. Ouais, il y a plein de soldats. D'ailleurs, je crois que je suis déjà venu par ici. Je me souviens plus. Je crois que je suis déjà venu par ici. On va redescendre. Hop là. Voilà. Ok, on va redescendre. Hop, je récupère ça. Je sais même pas si... On peut les tuer les libellules, oui je pense. Donc il y a l'air d'avoir un pont. Avec des soldats. Avant d'aller sur ce pont, je voudrais voir de ce côté là s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant à trouver. À part des petites bestioles et des petits oiseaux. Non. On peut pas l'air... Oh. Attends, ça descend un peu par là. Je me méfie toujours des endroits comme ça parce que... Attends, là il y a des loups. On est où là sur la map? Ah oui si d'accord, ouais non mais là si je continue tout droit par contre je vais aller dans une toute autre zone, donc je voudrais quand même aller voir sur ce pont et voir si on peut le passer. Enfin on peut le passer. La question c'est de savoir est-ce qu'on combat ou pas. On va y aller à pied hein. D'ailleurs on va invoquer des soldats. Comme ça on sera pas tout seul. Ils sont stylés quand même hein. Allez venez les gars. C'est l'heure de la bataille. En avant toutes. Ouh. Ah ouais. Je crois qu'on se prend des... Il y a bien une tourelle hein, qui nous tire dessus là. Waouh. Ok. C'est quoi on va... Avant de se faire défoncer par le truc.
Allez. Aïe. C'est le combat là. Hey. Il me casse ma garde. Bien joué les soldats de Godric. Pierre de forge, c'est bon ça. Ok. Il y en a un des deux soldats qui est mort. Il me reste plus qu'un soldat de Godric. Oh, gantelet de soldat de Godric. C'est marrant ça, tiens, qu'on tombe là-dessus. Clé lame de pierre. C'est pas le truc que tu mets dans les petits diablotins là, qui bloquent les portes. Attends, on va regarder. Tac, tac, tac. Tout ça, c'est les pierres de forge, ok. Ouais, je crois que j'en ai deux, du coup. Sert à briser un seau de statue de diablotin. Mais normalement, il en faut deux à chaque fois, donc pas mal. Faudra voir. Je crois qu'il y en a une. Il y en a un petit diablotin au tout début du jeu. Au tout, tout, tout début, vraiment. Dans la première caverne. Après, je sais pas si ça vaut le coup. Hein. Alors. Soldat de Godric. Est-ce que c'est cool ou pas ça? Je crois que pour comparer, il faut que j'aille dans équipement. Ici. Ah, c'est pas terrible. Hein. Ça fait. Oh, quoique. Non, ça fait baisser l'immunité, la robustesse. Il y a plus de tranchants, plus de perçants, mais c'est pas folichon quoi. Oh, je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant. Ok, bon, bah on avance, on a traversé le pont. C'est déjà pas mal. Ah. Tiens, il y a ça. On va éviter de le faire tomber dans l'eau d'ailleurs. Rune dorée. Et il y a un site de grâce là, si je me trompe pas. La péninsule larmoyante. Ok. Allez, on touche la grâce. Grâce évanouie découverte. Je vais pas me reposer parce que sinon ça va faire repopper tous les ennemis. Et j'ai pas trop envie. Je regarde s'il n'y a pas. Et lui donc lui il me dit de continuer par là. Hein. Ok, donc on va continuer. Il y a des soldats qui sont morts. Il y a l'air d'avoir un PNJ ici. Il n'y en a pas beaucoup, donc quand t'en vois un, t'es content en fait. Salut. Hello. Is somebody there? Elle est aveugle. Might I bend your ear for a moment, please? Pouvez-vous m'accorder un instant? Mon nom est Tyrina. Je me suis échappé du château de Vanhurlan au sud. Les serviteurs s'y sont rebellés. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe. Ma vue me fait défaut depuis que je suis né, voyez-vous. Il m'a semblé entendre des hurlements terrifiants de toutes parts. Mon père Louis a-t-il blablabla. Il prétend que c'est son devoir en tant que commandant. J'ai peur pour mon père. Les serviteurs sont furieux. Ils nourrissent une haine extrême à notre égard. Ils sont venus chercher chacun des compagnons avec lesquels je me suis échappé. Ils n'ont épargné personne. Je crains qu'il se soit pitié, je vous en conjure. Acceptez-vous de porter une lettre à mon père au château? Mon seul souhait, c'est qu'il s'échappe. Je vous en prie, je veux seulement qu'ils soient en sécurité. Bah d'accord. Donc ça, c'est une quête. Dans ce cas, prenez ceci. Oh, lettre d'Irina. Apportez-la à mon père qui est resté au château, s'il vous plaît. En fait, en plus, si je lui avais pas reparlé une deuxième fois, elle m'aurait pas parlé de la lettre, hein. C'est ouf. Elle est où sa lettre, là? C'est ça? Lettre d'Irina. Je vais même pas la lire. Lettre adressée au commandant du château de Vanhurlan. Ok, donc ça doit être le château qui est situé après... Margit le déchu. Mais c'est une quête secondaire, mais comme on le voit hein, dans le jeu, il n'y a pas de point d'intérêt, il n'y a rien, c'est il faut se rappeler. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui disait de prendre des notes. Il y a du monde. Il y a notamment un géant, donc on va faire gaffe. Il y a des loups d'ailleurs. Enfin des chiens, c'est plutôt des chiens ça.
Voilà. Et là-bas, ils sont en train de se taper. Je sais pas trop ce que c'est. Ouf. Mais là, le géant, si je le... Par exemple, le géant, si je le réveille, c'est la merde, en fait. Mais ok, c'est bon. Pour l'instant, il s'est pas réveillé. Il y a l'air d'avoir des petites... des petits trucs à récupérer à droite à gauche, là. Ça, c'est quoi ces bêtes, là? Je les connais pas, celles-ci. Je pense que là, il y a un coffre à ouvrir. Prendre l'objet. Morgenstern. Ok. On dirait une... Il y a un autre truc là-bas, mais c'est sûr, il y a le truc, il y a le géant à côté, donc je pourrais pas le prendre, ça. Je vais essayer d'aller tout droit là, récupérer ça. Rune dorée, oui, c'est bon ça. Et là, par contre, eux là, je sais pas ce qu'ils valent. Hein. Je sais pas ce qu'ils valent. Et d'ailleurs, je vois que j'aurais pu invoquer. J'aurais pu invoquer les soldats de Godric ou les loups, mais j'ai plus de points de mana. J'ai bien envie de les tenter, mais ils ont l'air assez vénères quand même. Attends. C'est qu'on va faire le tour. Comme ça. Peut-être qu'on peut se taper lui là déjà. En lui mettant une bonne gifle dans le dos là. Je sais pas si on va y arriver. Ouais, ça va. Je pense qu'on peut les... On peut les niquer. Ouais, ils sont pas beaux. Hein. Ouh, vous êtes pas beaux, les gars. Ouais, ils ont pas l'air trop résistants. Non, je croyais que... Ouf. Hop, 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 hop. Calme-toi, calme-toi. J'aime pas les trucs comme ça. Ok. Ça va, ils sont pas trop forts. Ça va. C'est bon. La voie est libre. On va pouvoir récupérer les petits trucs. Pierre de forge, oui. Et ça, du coup, qu'est-ce que c'est? Fragment de ruine, ok. Là, il y a l'air d'avoir. Ah non, c'est un fragment de ruine encore. Alors là. Allez. Oh, cendre de guerre, tir puissant. C'est pour les arcs, visiblement. Ah, il y a un truc là-haut. Oh, il y a deux trucs là-haut d'ailleurs. Fragment de ruine. Un deuxième, je pense. Oui, il y en a plein ici des fragments de ruine. Hein. C'est intéressant. Ok. Bah on avance encore. Hein. Je sais pas trop où aller là. Hop, c'est quoi ça? C'est un ennemi qui... Ah, c'est un chien. Allez, viens. Faire attention avec les chiens. Tiens, tu le fais une contre-attaque. C'est pas mal. Gardez ce petit poteau là. Pierre en arc-en-ciel. Je ne sais pas à quoi ça sert ça. Je vais regarder dans l'inventaire. S'illumine une fois sur place, sert de guide. D'accord. Ok. Bon, je vais essayer de faire le tour comme ça, mais... J'arrive pas trop à me repérer, je suis où là? Ah d'accord, oui, je suis là. En fait, je reviens sur mes pas, mais on est cette fois en hauteur. Ok.
coup, je peux monter là-dessus, non? Ah, mais ça me fait aller où, ça? Oh. Attends, cet endroit, il me dit quelque chose, mais je pense que je confonds avec un autre endroit. Non, non, je suis jamais allé là. Hein. Ah, non, 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 non. Donc on va regarder un peu la zone. Parce qu'après l'objectif, j'aimerais bien trouver peut-être un... Tu sais, un donjon ou un truc. Ah. Oula. Ouh. Oh, ça sent pas bon ça, les gars. Ça sent pas bon du tout. Je sais pas ce que ça vaut. Ah. Là, il y a un cimetière. Okay, normalement dans un autre épisode on a vu que les méduses elles font pas trop mal, mais bon, des fois qu'elles sont d'un autre niveau, je sais pas moi. Je crois que même qu'elles attaquent pas en vrai. Ah, attends, il y a un donjon là. Bah écoute, c'est quoi déjà, je vais placer un point sur la map. Bon, en général les donjons je les symbolise par une maison. Même si c'est pas vraiment une maison. Ah, de la grâce. Les catacombes de l'Empaleur. Ok. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Des gargouilles. Enfin, attention, elle nous balance des trucs dans la tronche. Hop les... Je suis tombé. Non, je suis pas... Attends. What? Oh les gars, c'est un bug. Oh my god. Les gars, c'est un bug en direct. J'étais, je pense que j'étais censé mourir. Ok. Mais je suis pas mort. Oh my god, comment je sors de là? Ah, je peux pas. Ok, c'est pas grave, attendez. C'est ce qu'on va faire. On va voyager. Oh, vous voyez, je voyais, je vais un site de grâce à partir d'ici. Mais gros, comment je fais? Ah non, mais attends, c'est quoi ce délire? Oh. Ok, c'est bon, je suis mort. Oh, j'ai eu peur. Vous savez quoi? J'ai eu très peur parce que je me suis dit, si mon perso, il est là, il peut pas mourir, il peut pas se téléporter, imagine ma sauvegarde est flinguée. Oh, le flip! Par contre, j'ai perdu toutes mes runes, je crois. Hein. À moins qu'elles soient. Qu'elles soient mises. Ah ouais, tu vois. Tu vois, il les a mis tout en bas en fait. J'ai perdu les runes. Bah, on va s'écarter. Hein? J'ai pas envie que ça se reproduise. Voilà. Bah, écoute, je préfère perdre des runes que perdre ma sauvegarde. Hein. Ok. Une effigie de Marika. Ce recueil d'invocation est à présent opérationnel. Nickel. Donc là, il y a une porte qui est verrouillée. Ça ressemble vraiment au... Ça, ça ressemble très pour très au donjon qu'on a fait dans un épisode précédent. Eh oui, bien sûr. Vous êtes en train de me faire une embuscade, les gars. Oh! J'ai pas fait attention à ma vie. Ok, c'est moi. J'avais 5 potions en plus, vraiment, c'était... En fait, le bug, il m'a un peu perturbé. Pour être franc avec vous. Je suis un peu... Ça m'a... Ouh! Oh! Hey! Oh! On se reprend, là. Non, mais... Je te jure, il m'a... Waouh, il m'a fait flipper en fait. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais perdre ma sauvegarde.
Allez. Tranquille. On récupère nos petites runes, mais il y en a quasiment pas comme... Voilà, 210, mais c'est tellement rien. Allez, venez. Voilà, c'est bon. Allez, prends ça, toi. Ok. Je récupère ça, on sait jamais. Ça peut être cool. Donc là, il y a un chemin tout droit. Ou à droite, on va partir par là. Ah, mais ça, j'en étais sûr. Je commence à vous connaître, les petits gars, là, les petits loups. Avec vos embuscades, là. Muguet mortifère, ok. Il y avait juste ça à récupérer dans cette salle. C'est étonnant, mais pourquoi pas. Alors, du coup à droite. Donc le but c'est de trouver quand même un levier, hein, parce que... Oula. Oh! Waouh! Le sol il m'a envoyé en l'air. Je sais pas si c'est clair. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc en gros, quand tu descends, le sol il monte. Tac. Quand tu... Le sol il monte. Mais attends, il doit y avoir un... Il doit y avoir un truc. Il doit y avoir un levier quelque part. Je sais pas où. Je pense qu'il y a un levier quelque part, tu vois, pour... C'est pas en dessous, ça peut pas être en dessous, ce serait trop bizarre. Ouais. En vrai, en plus ça fait mal. Oh là. Aïe. Ah ouais, ça fait bien mal en plus, hein. Non bah écoute, je sais pas ce que c'est ici là. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec ça. Ok, on va revenir un peu sur nos pas. Mais en fait t'as la porte qui est là. En gros t'as la porte qui est là. T'as la porte qui est là. Donc il y a forcément un truc dans cette salle, j'en suis persuadé. Cette salle là qui te fait bouffer le plafond. Je peux pas croire que... Qu'elle est là juste pour ça. Il doit y avoir le levier qui ouvre la porte à l'intérieur. Je vais quand même retourner dans cette petite pièce où il y avait que juste une herbe à récupérer, c'était bizarre aussi. Mais en vrai, ouais. Je vois pas. Tac, tac, tac. Ils sont malins, hein. Ils sont malins, mais il faut qu'on trouve le moyen de déjouer ça. Je pense qu'il y a un délire. Alors je sais pas quoi. À mon avis, il y a autre chose. Attends. Ou alors... Attends, ou alors... Il y a peut-être un endroit où il n'y a pas de pic, tu vois, où tu peux accéder à... Je sais pas. Il y a des pics. Il y a l'impression qu'il y a des pics vraiment partout. Aïe! Oh la vache! Ça pique! Ça fait mal!
Bon, j'ai fait un petit check les amis sur internet rapide et en fait c'est bien... Oula. C'est étonnant mais il faut... en fait il faut descendre. Il faut aller en dessous. Donc on fait ça, hop. Et il faut descendre, c'est... Voilà. Donc en fait c'est comme ça. Franchement, je pense que si j'avais laissé activer les petites marques de, tu sais, de multijoueur, il y aurait eu un message qui me l'indique, mais bon. C'est pour ça que je me permets des fois de regarder sur internet en parallèle, parce que... ça permet de... Oula. Il y a plein de monstres ici. Ça permet d'avoir les infos, mais quand moi je décide et pas avoir des marques de partout vraiment qui sont... Oh. Ok, ils sont assez lents, donc ça va. Il est bizarre lui, il lève les bras comme ça. Là. Oh. Ah, oh, ça fait mal quand il... Par contre, quand il me mord. Ah, quand il lève les bras. Quand il lève les bras. Oh merde. Il fait super mal, hein. En vrai. Attends. C'est quoi ce truc? Faut faire gaffe vraiment. Oh non. Attends, je vais reprendre de la vie. Enfin attention quand ils font ça. C'est qu'il va te choper. Y'en a encore un? Ils sont trop nombreux là. Ok. Allez, c'est bon. Bah attends, c'est un truc de fou. Je crois que... Je crois qu'ils arrivent en illimité, non? Ah, je crois, hein. Vraiment, en plus. Ça n'arrête pas. Bah, tu sais quoi, on va avancer. Ah oui, d'accord. Ouais, non, non, ils arrivent en masse, en fait. Ouais, bah, ok, bah, ici, à la limite, si, tu peux t'amuser à... Tu peux t'amuser un peu à farm, hein. Oh là, d'accord, oui, il y en a vraiment partout, quoi. Oh, laisse tomber. Tu peux t'amuser à farm, mais j'ai vu que ça... Ça rapportait, dans les 35 runes, ce qui est pas non plus, incroyable. Ok, le levier est là, les amis. Donc c'est bon. On va pouvoir accéder à la porte. Oh! Putain, il m'a bien surpris lui. Allez, mange ça. Mange-toi la contre-attaque. Ok. C'est vrai que c'est souvent quand tu te relâches dans ce jeu que... qui te gifle bien ta tête là. vous savez quoi, je vais aller me reposer au site de grâce vite fait. Parce que voilà, il manque pas mal de fioles, de vie et tout, donc comme le chemin est direct maintenant, hop. Je pense pas que je puisse. Non, j'ai vraiment pas assez pour monter de niveau. Clairement pas. Quitter. Hop. Et on redescend. Bon, les ennemis ils ont respawn, mais c'est pas grave, on va les skip. Puis on va voir un peu ce boss, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il vaut. Aïe, d'accord. Attends. Ouh. Je voulais voir s'il n'y avait pas le... Ouais, voilà. Ok. Eh ben on va tenter ça. Je pense, je sais pas ce qu'il vaut. Comment il s'appelle? Oh, déjà. Bah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Déjà, il y a des gargouilles. Le boss il est pas tout seul. Hop les... Wouhou. On va se calmer. On va essayer déjà de tuer les gargouilles. Bon, si on y arrive. Hop. Esquive. Oh purée. Ok. Attends.
Déjà voilà. Hop, déjà on est plus tout seul. Ah, c'est pas possible. Attends. Ah mais ils sont relous. En fait, les gargouilles sont chiantes. Les gars. Comme on dit. Ok, je crois qu'on a tué les gargouilles. Ouf. Ok, déjà il n'y a plus de gargouilles. Mais il n'y a plus de soldats non plus. Le veilleur de l'arbre monde. Wow. La vache, ça fait mal. Ouais, il fait mal. J'ai plus de soins. J'ai plus d'invocation. C'est bien dommage parce que. Waouh, ok. Je connais pas du tout ces techniques. J'essaie de voir un peu. Ça va être chaud parce que j'ai plus de vie. Il est lent mais en fait j'ai perdu tellement de vie. Oh. Oh, il m'a tué. Ok. Il m'a défoncé. On retente. Allez, on retente. Je serais un peu moins surpris par par ces gimmicks là. Let's go. On y retourne. La petite gargouille là. Toi tu vas pas me jeter tes trucs. Ouh. C'est bon. Ouais non non, je ne veux pas vous, me battre contre vous les amis. Hein. Moi je vais direct au boss, je vais parler au chef directement. Vous ne m'intéressez pas. Allez, on invoque les chevaliers de Godric. Les soldats de Godric. Ouh, le chat il est là. Il est déjà là. C'est un chat. Attends. Bon, attaque sautée, ils aiment pas ça. Hein. Attends, j'ai toujours peur que l'autre il m'attaque là. Olé. Allez, je crois que c'est bon. Ok. Oh! Ah! Je vais passer dans ton dos. Aïe! Ouais, ça fait mal. Oh la vache, il m'a bien fait mal. Prends une potion. Oh non, ça y est, je suis tout seul. Eh, c'est pas mal de passer dans son dos, non? En vrai. Oh. Oh là. Ah ouais, il avait fait trop mal avec son lance-flamme. Attends, hop là. Non, en vrai, c'est trop bien de passer dans son dos. Aïe. Attends, attends, j'ai plus de vie. Ok, je fais de la merde, c'est moi, c'est ma faute. J'aurais dû run, je sais pas. Et c'est reparti. Bon, cette fois-ci, on va invoquer les soldats directs. Hein. On va même pas réfléchir et je pense qu'il faut vraiment tuer les... Aïe. Ouf. Je pense qu'il faut vraiment tuer les gargouilles en premier. Bah, pas vous, parce que vous... Vous êtes pas dans le combat de boss, mais... Mais voilà, ouais, je pense que vraiment les gargouilles, une fois que tu les as tuées, déjà c'est mieux. Mais en fait elles sont tellement nombreuses. On va invoquer le soldat direct. Soldat de Godric. Ok, alors attends. Hoplé. J'ai peur que le chat il m'attaque. Attends, il a pas bougé encore. Il a pas bougé encore, ce petit saligo. Il va m'attaquer d'un coup, je pense.
Ah ouais, tu bouges pas? Attends. Oh! Non les gars, il y a un bug. Oh non, il y a un bug. Je rêve. Oh, ça y est, il se réveille. Non, même pas. Ah bah attends, bah vas-y. Je vais en profiter. Ok. Oh my god. C'est abusé. Oh franchement, il n'y a même pas de... cendre de semi-humain. Il n'y a même pas de... de plaisir. Il a pas bougé. Il n'y a même pas de plaisir à l'avoir battu presque. Bon, ok. Bon bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Donc on a eu des nouvelles cendres de guerre, on dirait des zombies. Récupérer les runes perdues. Ouais bah c'est quand je suis mort. Et là, il y a un truc pour revenir... Oh, je suis dégoûté qu'il y ait... Enfin, je suis dégoûté. D'un côté, tant mieux, mais bon, c'est le combat, il paraît fade, quoi. Le boss, il était complètement gelé. Retourne à l'entrée. Oui. Ah, putain. C'est vrai que c'était bizarre, n'empêche, quand je suis rentré, il bougeait pas du tout. Bon, bah écoutez, péninsule larmoyante, voilà où on en est les amis. On va s'arrêter ici, je pense que ça sera tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, amis. Un peu déçu que ce boss, bah on l'ait pas vaincu en bonne et due forme, hein, parce que voilà quoi, c'est un peu le plaisir du truc. S'il bouge pas, c'est pas marrant. Mais bon, c'est comme ça, y a pas le choix. Il était bloqué, il était gelé. Visiblement, c'est parti des bugs du jeu. On s'arrête là-dessus les amis, merci d'avoir regardé cet épisode, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. On se dit à très bientôt, ciao ciao.